الدين النصيحة قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، الله تبارك وتعالى دين القرآن الكريم قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. Dis, ô Mohammed, mon Seigneur ne se soucie pas de vous sans vos invocations, et c'est-à-dire l'adoration. Méditons ensemble ce verset dans Sourate Al-Furqan, le discernement, verset numéro 77. Après avoir décrit ses serviteurs ayant répondu à l'appel de ses prophètes, Allah tabaraka wa ta'ala ordonne à celui-ci d'informer sa communauté d'une réalité, à savoir que l'être humain n'a de valeur auprès d'Allah que s'il lui voue un culte exclusif, qui est la raison pour laquelle Allah l'a créé. Comme l'est dit dans le Coran, dans Sourate Al-Dhariyat, celle qui disperse, verset 56, « وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ » La vocation est de deux sortes. La vocation du besoin et la vocation d'adoration. Celui qui invoque, il demande soit quelque chose par sa langue qu'il souhaite, le succès, la richesse, un époux ou une épouse, une descendance pieuse, la délivrance face à une situation compliquée, la guérison, le bonheur et autres. Soit il demande par ses actes d'adoration, par le fait d'accomplir ce qu'Allah lui a ordonné et de s'abstenir de ce qu'Allah lui a interdit. Par ce comportement, il recherche l'agrément d'Allah, son amour et sa récompense. Ainsi, la valeur du serviteur auprès d'Allah est conditionnée par son lien à travers les demandes qu'il adresse à son Seigneur et le fait qu'il s'acquitte de ses commandements, qu'il lui obéit. Dans un hadith qui est rapporté par l'imam Ahmed, d'après An-Nu'man ibn Bashir radiyallahu anhuma, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ad-du'a huwa al-ibada » L'invocation est l'adoration. Et il récita ensuite sa parole subhanahu wa ta'ala « وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ » Et votre Seigneur dit, appelez-moi, je vous répondrai. Ceux qui par orgueil se refusent à m'adorer entreront bientôt dans l'enfer humiliés. Et comme l'a expliqué Cheikhoul Islam Ibn Taymiyyah dans son livre Iqtida Sirat al-Mustaqim, l'accomplissement des actes d'adoration est une cause qui peut engendrer la subsistance, la guérison, le secours et autres bienfaits que le serviteur recherche et désire. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.